reborn. Wow, c'est extraordinaire. Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Turban. Ce que nous allons voir ici, honnêtement, ça donne froid dans le dos. Je vous explique rapidement avant qu'on aille voir ça. Un homme, un jeune homme, noir comme moi, qui se cherche, se retrouver dans un pays de blanc, juste parce qu'il veut s'en sortir de sa vie. Et arrivé là-bas, il a décidé de s'accrocher à quelqu'un. C'est-à-dire aux femmes qui sont déjà là-bas, afin qu'ils puissent avoir les papiers, voire se marier, vous voyez un peu, non, se marier, puis avoir rapidement les papiers, parce qu'on cherche à évoluer. Et voici que le gars, il était dans ça, et il faisait tout à la maison. Ouais, il faisait tout et tout de chez tout. Un jour, il a quitté son boulot, il revient à la maison, tout fatigué. Et tellement il était fatigué, il a oublié de préparer. Ha! Quand il l'a préparé là, sa femme blanche a dit, ah d'accord, donne là-bas préparé. Ok, il n'y a pas de souci, sort de ma maison. Oh! Elle a pris ses bagages, elle a mis cela dehors. Et cet homme n'avait nulle part où aller. Et il a dormi dans le froid. Dans le froid. Jésus, l'homme est méchant. La méchanceté de l'homme a dépassé le niveau. Ouais, l'homme est méchant même. C'est pas possible. Et le gars, il dormait carrément sur un banc dehors. Jusqu'à ce que un homme, un de ses frères, l'ait aperçu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le truc, c'est que le monsieur est sorti le matin. Il allait au travail et il a trouvé là dehors en train de dormir sur le banc. Il a cru que c'était de la blague. Peut-être un homme qui est venu juste prendre l'air. Mais il va au travail, il revient et il retrouve encore le même monsieur au même endroit. Là, il se dit, mais ah, mon ami, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est là que cet homme va commencer à lui expliquer. C'est en anglais, ceux qui comprennent l'anglais peuvent nous aider dans la traduction en commentaire. Allons voir ça, si tu veux en savoir plus. C'est parti. Mes frères et sœurs, voici ce dont je suis en train de vous parler. C'est un truc de ouf, un truc de ouf. Regardez très bien l'écran. Seigneur Jésus-Christ. Hein? Le monsieur, il dormait juste là tranquillement comme ça. Lorsque notre frère est venu le réveiller, lui poser tant de questions. Et cela, il va dire, Elle m'a mis dehors. Même Yos Reborn est dépassé. Vous allez voir ça, vous allez voir ça. Regardez ça. Là, c'est là que tout a commencé. Le monsieur nous pourrait attendre son main. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas toi? J'allais au travail tout à l'heure là, tu étais ici. Maintenant, je reviens encore, tu es encore là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là que le monsieur va se réveiller. Regardez. Il dit, quand l'Africain fait comme ça, c'est que le problème a dépassé le niveau. Le problème a dépassé le niveau, ça le dépasse. Et le monsieur lui dit, faut parler, parce qu'il est en train de filmer, il veut montrer un peu cela aux gens. Il dit que c'est ma femme qui m'a mis dehors. Le monsieur le pose la question, mais que s'est-il passé pour qu'elle t'ait mis dehors? Je
En gros, il dit que voilà, elle a mis juste là dehors parce qu'elle est arrivée et elle n'a pas trouvé la nourriture, il n'a pas préparé parce qu'il était vraiment fatigué, il n'a pas préparé. Elle s'est élevée, elle a mis ses bagages dehors. Et lui demande, mais où sont tes bagages, où tu as mis tout ça? Il a dit que c'est juste en dessous de l'étage, le premier étage. Sous les gens, sous les escaliers, quoi. Et il lui pose la question, mais ah, si vous n'êtes pas légalement marié, il dit non, nous ne sommes pas encore légalement mariés, nous sommes juste en train de suivre la procédure. Est-ce que vous vous rendez compte que le gars, Jean, sa copine l'a mis dehors, quoi? Tchéi! Maintenant, où est passé l'amour? Où est passé l'amour maintenant? Où est passé l'amour? Aïe aïe aïe. Regardez. Regardez le monsieur. Ah. Ah non, ça fait vraiment pitié. Il dit, ah, mais moi j'allais au travail, t'es vu là, mais il revient encore là. Ah, c'est pourquoi je me suis approché de toi pour poser des questions. Il dit, oh, tu sais, à cause des papiers. C'est une histoire de papiers, c'est une histoire de papiers qui l'a mis dans cette situation. Jean, il voulait avoir les papiers pour avoir les papiers, il a dû se coller à une personne qui est déjà là-bas qui a les papiers, afin que ça se passe vite. Jean, avoir les papiers dès que les deux se seraient mariés, quoi. Un peu comme ce que je viens de vous dire, ce que vous savez sans doute. Que pouvez-vous dire de cela, mes frères et sœurs? Que pouvez-vous dire de cela? Ah, Seigneur Jésus! Hein? Ça, c'est le mot de l'envers. Quand les gens ont vu ça, ils ont dit, ah, mais pourquoi n'as-tu pas pris une de tes soeurs noires là-bas? Et puis toi, c'est une blanche, tu vas prendre. Tu ne sais-tu pas que souvent, il y a certaines blanches qui ne respectent pas les hommes. C'est pas comme en Afrique où les femmes doivent se soumettre à leur mari. Là-bas, elles portent la culotte. Seigneur Jésus. Hein? Vraiment, ça m'attriste beaucoup. Et ça m'a beaucoup découragé, de beaucoup de choses que je peux pas tout vous dire ici, honnêtement, mais m'a tout découragé. À sa place, que ferez-vous? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? En tout cas, moi, j'ai déjà dormi dehors. Je sais ce que ça fait de dormir dehors. Lui, dans son cas, surtout dans un endroit où il fait froid. Regardez, là-bas, il fait très, très froid. Imaginez, regardez comment il s'est couvert. Il a dormi dans le froid toute la nuit, enfant des gens. Et enfant des gens. L'homme n'aime pas l'homme. Non. L'homme n'aime pas enfant des gens. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, vous abonnez à cette chaîne. Dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouve notre formation bancaire. Merci à vous pour tout, que Dieu bénisse et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti. Ne souhaitez pas.